Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes en ce mois de juillet, dans une période d'anniversaire, de commémoration, de désastre que la France a connu il y a maintenant 8 décennies, en 1940. Et pour cela, nous allons réaliser aujourd'hui une émission spéciale avec notre spécialiste André Posokhov, que vous connaissez bien, qui est intervenu à plusieurs reprises, notamment sur ces sujets relatifs à la Seconde Guerre mondiale. Mais auparavant, je voudrais vous présenter un ouvrage récent qui vient de sortir chez Perrin. C'est celui du colonel Rémy Porte, 1940, Vérités et légendes. C'est un petit ouvrage qui constitue une excellente introduction au débat relatif à cette période. Le colonel Porte pose 30 questions auxquelles il répond de manière claire et synthétique. Par exemple, la ligne Maginot était-elle une bonne idée? Le général Gamelin était-il coupé des réalités? Les chars ont-ils été mal utilisés? Pouvons-nous poursuivre la guerre en Afrique du Nord? Qu'en était-il du réduit breton? Autant de questions qui sont remarquablement traitées par le colonel Porte, encore une fois d'une manière claire et synthétique. Colonel Porte, malheureusement, qui a été affecté depuis maintenant de longs mois par une lourde maladie. Il réussit à surmonter cette épreuve et il s'est remis immédiatement à travailler pour continuer une œuvre relative à l'origine surtout à la Première Guerre mondiale. Il a notamment donné une biographie du général Joffre. Il a participé avec le professeur Cochet, ils sont les co-auteurs d'un dictionnaire de la Première Guerre mondiale dans la collection Bouquins à la Fond. Et maintenant, il se tourne vers la Seconde Guerre mondiale, anniversaire oblige. C'est un historien militaire, il a longtemps travaillé au service historique de Vincennes. Et quand il a été frappé par la maladie, il était référent histoire pour l'ensemble de l'armée de terre. Donc je rappelle le titre de son ouvrage, Rémy Porte, 1940, Vérités et légendes, aux éditions Perrin. Alors maintenant, André Posokhov, nous allons aborder cette période particulièrement sensible de notre histoire, qui est le désastre de 1940. On entre dans les heures les plus sombres de notre histoire, selon la formule consacrée. C'était déjà l'heure la plus sombre. C'était, voilà. Parce que l'heure, c'est ce qui est grave, ce qui s'est passé après a été très grave, mais fondamentalement, ce qui a été le plus grave, ça a été la défaite. Voilà, tout commence avec la défaite, bien sûr. Voilà. Oui. C'est par rapport à la défaite qu'il faut se positionner, car je trouve que l'on a tendance à mettre en avant l'opposition entre le pétainisme, le gaullisme, avec tout ce qui s'est passé, les successions de faits, d'opinions, et que cette controverse, gaullisme-pétainisme, collaboration, a prédominé, alors que, à mon avis, le principal fait, c'est la défaite et sa préparation, et par qui? Autrement dit, quelle est la responsabilité fondamentale de cet écrasement et du fait qu'à la suite de cet écrasement, justement, la France, qui était une puissance mondiale quand même, avec ses faiblesses avant 1939, est descendue dans le cran et est devenue une puissance moyenne. Alors c'est effectivement un événement fondateur de tout ce qui a suivi, une défaite tout à fait inattendue. Il faut se rappeler qu'en 1939, l'armée française est considérée comme la première armée du monde. Après la victoire obtenue en 1918, comment en est-on arrivé là? Nous allons aborder les différentes dimensions de l'affaire, notamment les dimensions militaires, la question du commandement, la question de l'opinion publique. Mais il y a d'abord à poser la question des choix politiques qui ont été faits durant l'entre-deux-guerres, choix politiques en matière militaire, bien sûr, mais aussi en matière de politique internationale. Alors,
tout commence avec le traité de Versailles et surtout le fait que Clémenceau et Tardieu avaient cherché à avoir des garanties contre un pays, l'Allemagne, vaincu, certes, et bien vaincu, mais qui gardait une force considérable. Qui conservait un potentiel considérable. Un potentiel, une force économique, une force industrielle et une force démographique. Je me permets de vous rappeler la formule de Ludendorff quand il connaît les conditions de la paix. Nous avons sauvé l'essentiel, l'industrie lourde. Oui, c'est... Et puis surtout, ils n'ont jamais reconnu leur défaite, puisque en fait, ils étaient bien vaincus, puisque dans les gares à l'arrière, dans les villes à l'arrière de l'armée allemande, il y avait entre 500 000 et 1 million de déserteurs, et l'armée allemande allait s'écrouler. Néanmoins, pas un centimètre carré du territoire allemand n'était occupé. Mmh. Une offensive était préparée en Lorraine par le général Pétain et par le général de Castelnau, et cette offensive se serait heurtée à peu de résistance de ce côté-là et aurait permis d'envelopper les forces allemandes sur la rive gauche. Elle n'a pas eu lieu. – De gagner Cologne. Oui. – Il n'a pas eu lieu, Clémenceau et Foch y sont opposés, puis surtout, les anglo-saxons et surtout les anglais, semble-t-il, s'y sont opposés pour ne pas donner trop de force à la France. – Et puis il y avait surtout les 4 ans et demi de guerre avec les pertes qu'elles avaient engendrées, les sacrifices qui avaient été consentis, il était difficile de pousser plus loin, alors qu'à l'évidence, la défaite allemande pouvait être considérée comme acquise. – L'offensive en elle-même aurait permis de concrétiser une défaite écrasante, sans aller jusqu'à Berlin. Voilà. Parce que si les Alliés avaient voulu aller jusqu'à Berlin… Et il est vrai que la guerre aurait duré un an de plus, très certainement. Mais ce refus de l'offensive a permis aux Allemands de toujours prétendre qu'ils n'avaient pas été vaincus. Ça a d'ailleurs été une rengaine d'abord de l'Allemagne de l'Allemagne de la République de Weimar, et puis surtout du nazisme. – Et le mythe du coup de poignard dans le dos qui aurait été porté par les révolutionnaires spartakistes. Alors que sur le papier et au vu du rapport des forces, de toute manière, l'Allemagne n'était plus en mesure, au-delà de novembre 1918, de poursuivre la lutte de manière significative. Alors, les Français, notamment Clémenceau et Tardieu, étaient bien conscients de la force potentielle de l'Allemagne. Et ils redoutaient très certainement que l'évolution des choses et l'avenir réservent de très mauvaises surprises et à nouveau une agression. Ah oui. Donc ils avaient demandé à ce que, si le traité de Versailles était signé, il y ait une garantie de la part des États-Unis. Et les Anglais devaient y être associés à cette garantie. La France, garantie par les deux puissances anglo-saxonnes, dans l'esprit d'amitié anglo-saxonne qui animait Clémenceau, permettait à la France d'avoir une sécurité assurée. Mais, et ça les Français le savaient quand même avant, lorsque le président Wilson est revenu aux États-Unis, le Sénat a refusé de ratifier le traité de Versailles, ce qui fait que le traité de Versailles n'a jamais été signé par les Américains. Ils ont signé un traité à part avec les Allemands, et la France n'a pas eu sa garantie. – Et les Anglais se sont défilés en disant, dans ces conditions, nous non plus. Donc la France a été complètement bernée. Alors le lot de consolation a été l'occupation pendant 15 ans de la rive gauche du Rhin, avec une sortie progressive en plusieurs fois, mais il était évident que ce n'était pas la même chose qu'une garantie de la part des deux puissances anglo-saxonnes. – Et en plus, on a anticipé l'évacuation de cette rive gauche du Rhin, du fait de la politique de rapprochement avec l'Allemagne engagée par Aristide Briand et le chancelier Stresemann à la fin des années 20, ce qui, évidemment, a supprimé les garanties militaires sur lesquels on pensait s'appuyer au moment de la signature du traité. – Alors, en fait, le traité de Versailles est très attaqué sur beaucoup d'aspects à juste titre, mais surtout, il n'a pas été appliqué. Lorsque les Allemands ont refusé de payer les réparations, Poincaré a déclenché l'occupation de la rue. Et contrairement à ce qu'il dit, ça a été un succès pénible, pas évident, mais à un moment donné, les Allemands ont mis les pouces. Et c'est là que sont intervenus les Anglo-Saxons généraux et les Anglais, qui ne voulait pas de ce qui aurait été possible, c'est d'une discussion entre Français et Allemands pour trouver un terrain d'entente.
Et à ce moment-là, en 1924, puisque l'occupation de l'Uruguay est de 23, est arrivé le cartel des gauches, c'est-à-dire Herriot, qui a tout de suite mis sous le boisseau cette victoire, parce qu'il y avait victoire, pour discuter avec les anglo-saxons, la diminution des réparations, ça a été le plan d'Avs. Et c'est la première le premier des abandons, la première des soumissions de la part d'Édouard Herriot, qui a été certainement, entre les deux guerres, l'un des deux ou trois grands responsables du désastre. Et puis après, étrangère moins coûteuse, disait-il. Parce qu'effectivement, dans une période de tension, il fallait maintenir des budgets militaires élevés. Alors, il y a eu aussi après le rapprochement franco-allemand. Et on peut le comprendre parce que les anglo-saxons qui ont toujours joué contre la France entre les deux guerres poussaient la France à s'entendre avec les Allemands. Et c'est une époque de prospérité parce qu'à partir de 24 jusqu'à 1929-1930, c'était la prospérité en France, la prospérité en Allemagne, on l'oublie. Une prospérité générale. Cela permettait de pouvoir tenter un rapprochement, mais rapprochement qui s'est fait par des discussions entre Briand et Stresemann. Voilà. Et Stresemann a roulé plus ou moins Briand. Oui. Il a finassé, selon son expression fameuse. Voilà, ouais. Ce qui fait que les Français ont abandonné des garanties, même s'ils étaient conscients, du risque que cela pouvait amener pour la sécurité de la France. Et puis, dans le même état d'esprit, il y a une politique militaire qui a fait que cette magnifique armée de 1918, car l'armée de 1918 était vraiment à ce moment-là la première armée du monde, elle ne pouvait être égalée en valeur que par l'armée de 1805 de Napoléon, cette armée a été démantelée en quelques années, notamment par une loi de 1927 qui posait bien le principe défensif de défense seule du sol de la politique militaire française. C'est politique, c'est pas levé. Et la loi d'un an, la loi d'un an, qui a fait que les troupes, les conscrits, n'étaient pas instruits de manière valable. Et cela a été le début d'une décadence assez rapide de l'armée française, qui n'était plus qu'une armée de cadres, qui n'avait pas de force d'intervention, et on le verra les conséquences en 1936, lors de l'occupation de la Rhénanie par les Allemands. Il y avait une insuffisance de crédit, les officiers étaient sous-payés. Mon beau-père, dont le père était au cabinet de Foch, m'avait dit qu'il y avait des officiers de l'armée française qui, dans les années 20, après leur service en état-major, allaient laver des voitures dans les garages pour compléter leurs soldes. Et puis surtout, il n'y avait pas, les crédits ont beaucoup baissé jusqu'en 1934, ce contre quoi s'était élevé Végan. Il y a eu donc une politique de décadence militaire jusqu'en 1934-1936. Il y avait un état d'esprit pacifiste, une mentalité de gauche, avec un pacifisme qui s'appuyait quand même sur l'esprit d'air de la population française. Et puis un antimilitarisme virulent, avec du côté des communistes, la rubrique dans l'humanité de la gueule des vaches. La gueule des vaches. Oui, tout à fait. Oui. Donc, l'armée française, en 1936, n'avait pas les moyens d'une politique, de maîtrise de l'expansion du nazisme. Et nous l'avons bien vu en 1936, il faut revenir que la faute fondamentale, c'est 1936. Alors, après cela, il y a eu toute la diplomatie. Il y a eu tous les lâchages dans les années 30. Donc, dans les années 30, Hitler arrive au pouvoir, du fait notamment d'un taux de chômage extraordinaire. Et ce taux de chômage venait de quoi ? De la crise de 29, la crise américaine de 29. Les Américains ont retiré leurs crédits qu'ils avaient fait au pays, à l'Allemagne et à l'Autriche. Crise terrible, et non pas, comme on l'entend souvent de la part des plus hautes sommités, que c'était la superinflation en 1933, c'est strictement faux. L'hyperinflation, c'est en 23, mais un chômage terrible. À partir du moment où Hitler est arrivé, ça a été une succession d'abandons.
abandon lorsque Hitler a commencé à réarmer, abandon lorsque il a occupé la Rhénanie, abandon lorsqu'il a construit ce qu'il a interdit par le traité de Versailles, la ligne Siegfried, abandon lorsqu'il y a eu l'Anschluss, abandon lorsqu'il y a eu Munich, encore que Munich soit une affaire anglaise, donc une suite de lâchetés, une suite d'abandons, une suite de renonciations diplomatiques, et comme les Français, quand même conscients du danger, souhaitaient avoir un allié, on s'est tourné vers l'Angleterre. Or, l'Angleterre a pratiqué, par sympathie et jusqu'en 1939, au dernier moment, une politique d'appeasement, une politique de sympathie à l'égard non seulement des Allemands, mais même des nazis. Et du fait de cette politique, les Français n'ont pu jamais agir s'ils en avaient eu la volonté. Mmh. Et en 1936, ce qui est arrivé, ouais. Le général Gamelin a dit « l'armée allemande est trop forte ». C'était faux. Archi faux. Et contrairement à ce qui est dit, ce n'était pas la faute du service de renseignement, peut-être du deuxième bureau, mais pas du service de renseignement. Deuxièmement, en face, aussi bien Albert Sarraut que Flandin n'avaient aucune envie d'y aller. Et quant aux Anglais, ils y ont mis le holà. Ils ont tout fait pour que rien ne se fasse. Alors, il faut rappeler que le 7 mars 1936, l'occupation de la rive gauche du Rhin par Hitler, c'est aussi la réponse du berger à la bergère pour la ratification par les chambres françaises du pacte franco-soviétique conclu par Laval en 1935 avec Staline. Et comme vous le disiez, le rapport des forces à ce moment précis, il est totalement favorable à la France. L'armée allemande a commencé à réarmer en 1935, et il était clair que ce réarmement prendrait toute son ampleur et donnerait à l'Allemagne les moyens d'une nouvelle politique ambitieuse en Europe seulement en 1938. Et d'ailleurs, les généraux de Hitler étaient assez paniqués quant aux réactions qu'ils craignaient du côté français. Et ils avaient tort, s'il y avait une réaction, ils avaient tort de replier immédiatement les quelques troupes symboliques, quelques bataillons étaient arrivés sur la rive gauche du Rhin. Simplement, de les replier immédiatement. Seulement, en France, on n'a rien fait, pour deux raisons principalement. D'abord, les Anglais, vous l'avez dit, la gouvernante anglaise n'était pas disposée à suivre, parce qu'elle se fichait éperdument de la rive gauche du Rhin. Les intérêts supérieurs de l'Empire britannique n'étaient pas concernés, pas plus qu'elles ne seront concernées par l'Anschluss. Ils étaient surtout très intéressés par l'affaire italienne et de l'Éthiopie. Et puis, il y a aussi une autre dimension, c'est que la classe politique française était paniquée à l'idée de se lancer dans une épreuve de force avec l'Allemagne à quelques mois des élections générales qui allaient avoir lieu au printemps 36 et qui allaient voir la victoire du Rassemblement populaire, donc le Front populaire, avec les conséquences politiques que l'on sait. La responsabilité de la classe politique dans l'affaire de la classe politique française et de la classe politique anglaise de 1936, qui a été l'occasion ou jamais. De maîtriser Hitler, peut-être même de le renverser. Cette occasion manquée a été désastreuse. Alors c'est vrai que le général Gamelin a joué un rôle. Alors on prétend qu'il a demandé une mobilisation générale. Ce n'est pas tout à fait exact. Il a demandé de rappeler deux ou trois classes. Des réservistes. Mais la vérité, c'est que comme nous avions la troisième république, le régime politique de l'entre-deux-guerres avait confectionné une armée de pure défensive, et il n'y avait pas de force d'intervention. C'est d'ailleurs une chose qui explique le livre à l'époque du lieutenant-colonel ou du commandant de Gaulle sur l'armée de métier, que l'armée de métier, ce n'était pas un très mauvais titre, au fond, de créer une force de frappe que l'on retrouvera plus tard. Il n'y avait pas ça. Il fallait prendre du temps pour mettre sur pied des unités aptes, effectivement, à franchir la frontière. On ne comprend pas, quand même, qu'il n'y ait pas eu quelques unités, mais le général Gamelin avait été choisi pour des raisons affectives, pour des raisons politiques, et on a eu le résultat de ce choix. – Il faut rappeler aussi qu'une stratégie défensive peut apparaître légitime, surtout quand on se réfère aux sacrifices énorme consenti pendant la Première Guerre mondiale, mais qu'en même temps, celui qui l'a choisi se prive volontairement de toute initiative par rapport à une situation. Ce qui n'est évidemment pas la meilleure manière d'envisager un conflit. Il laisse totalement l'initiative à l'adversaire. – Tout à fait,
On peut revenir sur cette affaire de stratégie défensive en 1939, qui n'a pas été décidée par le général Gamelin, mais qui a été décidée en septembre 1939 par le comité suprême interallié, mm-hmm. avec Daladier et le premier ministre, Chamberlain. Parfaitement compréhensible, nous en reviendrons probablement. Mais en 1936, il n'y avait rien en face, il y avait quelques bataillons voilà. qui défilaient. Tout à fait. C'est l'occasion, une occasion manquée que l'on ne retrouvera pas, parce que ce que l'on n'arrive pas à savoir, c'est si la France était intervenue, par exemple, lors de l'Anschluss. D'abord, elle serait intervenue seule, les Allemands refusent, les Anglais refusent de suivre. Est-ce que, effectivement, il y aurait eu une guerre, et est-ce qu'on s'en serait sorti, étant donné la supériorité de l'aviation, et la même chose à Munich. Et puis, l'Anschluss, on touche du doigt de nouveau à une contradiction des traités. Reposant sur le principe des nationalités et de libre choix des populations. Or, la population autrichienne, elle va parfaitement accepter leur attachement à l'Allemagne, ce qui se comprend tout à fait dans le nouveau contexte créé par les traités de 1919. Donc, la politique interne du régime, la politique du régime politique était néfaste au plan militaire, néfaste au plan diplomatique, mais elle a été aussi très mauvaise au plan industriel, parce que lorsqu'il a fallu réarmer. S'y est pris avec un temps de retard. D'abord avec beaucoup de retard, mais il n'y a pas eu de mobilisation industrielle au bon moment. Mmh. On a fait appel à Dautry, mais en septembre 1939, à 6 mois du désastre. Ouais. L'industrie n'était pas prête, rien n'était prêt dans l'aviation. L'année 1937 a été une année vide. Ceux qui défendent le Front populaire... J'ai des exemples, disent oui, mais il y a eu un très gros effort budgétaire et de relance. Mais c'est vrai que Blum a accordé 12 milliards en 36, mais l'année 1937 a été une année vide. Jamais on a moins produit d'armement qu'en 1937, parce qu'il fallait relancer toute la machine. Oui, puis le Front populaire a fait effort en 36 dans un contexte international ô combien compliqué. C'était la moindre des choses qu'il y eut cet effort. Hein. C'était insuffisant. Les Allemands allaient développer leur effort à eux et parvenir au maximum de leurs moyens entre 1938 et 1940. Quand les Français et les Anglais vont se mettre à réarmer à partir de 1938, notamment sous l'impulsion de Daladier, c'est en 1942-1943 qu'on était en mesure d'arriver à parité avec les Allemands. Ce qui encourageait Hitler à agir durant cette fenêtre d'opportunité des années 38-42, où il pouvait penser disposer d'une supériorité temporaire sur les adversaires pour remettre en cause les clauses territoriales désormais de Versailles et non plus seulement militaires. – Au sujet du Front populaire, le Front populaire au fond a été beaucoup incriminé et beaucoup défendu. Mais il s'inscrit dans une continuité de ce régime politique. Les socialistes en particulier ont voté contre tous les budgets militaires jusqu'en 1936. Tous. Systématiquement. Et c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit politique. En 1936, Blum, qui a pris le pouvoir à la suite de l'affaire de la Rhénanie, puisque l'affaire de la Rhénanie, c'est mars 1936, et lui, il a pris le pouvoir en mai 1936. Mais en même temps, a eu à affronter au moins le problème de la guerre d'Espagne. Oui. Donc il a réalisé un danger. Et c'est vrai qu'il y a eu, sur 4 ans, un budget de 12 milliards. Mais ce budget était largement insuffisant, et derrière, cela n'a pas suivi. En réalité, ce n'est pas le Front populaire qui a relancé le réarmement, c'est Daladier et Reynaud, hommes de droite. Ils ont lancé le réarmement, d'abord par une politique libérale, économique et financière, qui a réussi un temps record. Et Daladier a rétabli les 40 heures avec Reynaud, il a fait échec à une grève générale de la CGT en novembre 1938, et surtout, il a dégagé des budgets énormes pour le réarmement, mais cela s'est passé en 1938,
c'est-à-dire un an et demi avant le désastre. C'était beaucoup trop tard. – Une planification de cet ordre, évidemment, ne peut que s'étaler sur plusieurs années, et on s'y prenait effectivement un peu tard pour rattraper le retard accumulé par rapport à l'Allemagne. – Alors, il y a… On lit des articles de défense du Front populaire. Le Front populaire a relancé l'armement français, mais ce n'est pas parce qu'on produit 1000, 2000, 3000 blindés qu'on a des divisions blindées. Or, toute la classe politique a été hostile aux divisions blindées. Il faut lire. Et là, le colonel Michelet, dans son livre sur la revanche de l'armée d'Afrique, l'a bien montré qu'en mars 1935, il y a eu un grand débat à l'Assemblée, enfin à la Chambre des députés à l'époque, sur d'abord la possibilité de prolonger le service militaire qui était d'un an, anticipant celui de 2 ans. Et c'est là que Blum est intervenu en disant la meilleure façon qu'il n'y ait pas de guerre, c'est de désarmer. Bien sûr. Ce qui a été son... Oui, c'était pas la première ni la dernière fois. Illusion wilsonienne bien connue. Oui, c'est, je pense, une illusion blumienne. et surtout, il s'est opposé verbalement, sans citer le nom de Gaulle, mais au livre de Gaulle, en disant ce que l'on veut avec ce livre, c'est créer une armée prétorienne. Ah. Autrement dit, on imposait des critères de politique intérieure à une politique militaire et une politique diplomatique. C'est ça. Mélanger la politique intérieure et la nécessité stratégique. C'était d'une... Alors, on peut dire que c'est criminel, mais qui dit criminel nous renvoie à un jugement politique. Oui. Disons que c'était d'une sottise intégrale. Sottise, surtout. Et surtout que cela a eu des conséquences très graves. Parce que le colonel Michelet explique bien que si en 1936, on a décidé d'avoir des divisions blindées, ces divisions blindées, la classe politique aide à l'allier, les ont retardés au maximum, et finalement on a pris la décision de construire les deux, puis la troisième, qu'en septembre 1939, et que donc les deux premiers ont été prêts en janvier 1940, et d'ailleurs insuffisamment équipés. Pourquoi ? Parce qu'on ne crée pas une arme blindée comme cela en quelques mois. C'est pas simplement des blindés, une division blindée. – C'est pas l'appel au peuple de la lever en marche de 1793. – Ce sont des canons avec des tracteurs, ce sont des troupes entraînées à appuyer, des troupes à pied entraînées à appuyer les blindés. C'est tout un dispositif. Alors, ce dispositif existait du côté de la cavalerie avec les divisions légères mécaniques. Pour créer des divisions blindées, il fallait une loi. Cette loi, elle n'avait pas lieu. Les divisions légères mécaniques ont été lancées, et la motorisation de l'armée a été lancée par le général Végan, qui était à la tête de l'armée française au début des années 30. Il l'a fait de manière quasi clandestine, sans vote. S'il avait demandé un vote, il l'aurait jamais eu. Or, ces divisions légères mécaniques, elles ont fait merveille en 1940, notamment à Anu et à Jean Blou, où elles ont causé avec des excellents chars les Soumua, mais il y en avait 300 dans toute l'armée française, des dégâts considérables à des divisions blindées allemandes. Tout cela, ça a été le chaos politique, militaire, diplomatique, pendant les 10 années des années 30, et largement commencé dans les années 20. Et lorsque dans un article je lis que l'affaire de 1940... c'est une affaire strictement militaire, je dis que c'est faux. Bien sûr. Et que Soutou, dans un de ses livres, dit « La défaite n'était pas une étrange défaite, ce qui était étrange, c'est le désastre. » Et là, on peut mettre en cause le haut commandement avec Gamelin. Voilà. Mais la défaite de 40 est une longue suite d'erreurs, de fautes diplomatiques, politiques, industrielles, de tout un régime politique qui, de plus, est un régime politique qui ne marchait pas à cause du parlementarisme et de l'instabilité ministérielle. – Il y avait des causes structurelles tout à fait évidentes à cette défaite, dont les Français n'étaient pas franchement conscients à la fin des années 1930, quelles que soient leurs réserves vis-à-vis de ce régime parlementaire au cours de cette même période. – Je voudrais simplement dire qu'il faut rappeler à ceux qui disent que la faute des militaires par le régime, c'est qu'en 1940, il n'y avait pas une personne en France pour défendre le régime politique de la Troisième République. Ce n'est pas là une attaque contre la République. La République est un régime, mais la Troisième République, les gaullistes, n'en parlons pas, les résistants, tous les résistants disaient non au retour de la Troisième République.
évidemment les pétainistes, évidemment les futurs collaborateurs, mais la population. S'il y a eu le procès d'Arion, c'est que les délégations qui allaient voir le maréchal lui disaient « mais il faut punir les responsables ». Bon, on a vu ce que ça a donné. Mais la Troisième République était complètement, mais plus que discréditée. Bien sûr. Hein. Et d'ailleurs, c'est l'Assemblée, c'est le Parlement, hein, sénateurs et députés de 1936, qui ont voté à une majorité écrasante, la fin de cette loi constitutionnelle 1875. Si des élections avaient eu lieu en 1940, on pouvait s'attendre, les observateurs sont d'accord là-dessus, à une poussée très importante du Parti social français, du colonel de Larocque, qui correspondait en gros idéologiquement, sociologiquement, à ce que sera le RPF après la Seconde Guerre mondiale et à ce que sera ensuite le gaullisme des débuts de la Ve République. Oui, et contrairement, alors parce qu'on a tendance à confondre PPF, c'est-à-dire c'est pas pareil, Doriot, et le PSF. Mais le PSF n'était un parti de droite, patriote, national, mais certainement pas fasciste, certainement pas antisémite. Pas du tout. Le colonel de Larocque, lorsqu'il faisait ses fameuses cérémonies, et notamment religieuses, invitait évidemment des prêtres, des pasteurs, et des rabbins. Oui. D'ailleurs, l'antisémitisme, on dit que l'entre-deux-guerres, la France était antisémite, mais Bernard Plouvier le démontre, dans les années 20, il n'y avait pas d'antisémitisme. Pourquoi ? Parce que les Juifs en France se sont battus avec tous les citoyens, contrairement à l'Allemagne. La guerre de 1914 avait aboli dans une large mesure les hostilités antérieures. Mais c'est l'évolution du régime et la part qu'occupaient certains leaders juifs, dont Léon Blum, qui a favorisé cette résurgence. Plus l'arrivée massive de beaucoup de juifs d'Europe de l'Est. Qui étaient chassés par les discriminations dont ils étaient victimes localement. C'est un autre sujet, Philippe. Bien sûr. Mais pour revenir au PSF, ce n'était pas un parti fasciste. Et je pense que pendant la guerre, une chance énorme a été manquée lorsque Brossolette, quand même, deux fois franc-maçon, socialiste, homme de gauche, qui était allé, s'était rallié au gaullisme, a voulu amener Charles Valin, qui était le numéro 2 du PSF, à Londres, pour l'unité nationale. De Gaulle avait dit oui. Qui s'y est opposé ? Les socialistes du cercle Jean Jaurès, Gombert, Lévy et d'autres qui ont dit « c'est pas possible, le PSF ». Et ils ont ameuté la presse anglaise et le parti travailliste, et De Gaulle a cédé. Et c'est une chance énorme, parce que si Charles Valin avait été officiellement désigné comme s'étant rallié au gaullisme, eh bien il y aurait eu une possibilité d'union nationale et d'éviter beaucoup de choses qui se sont passées après. – D'éviter la guerre civile des années – Mais nous sortons de notre sujet. Voilà. Alors, oui, la défaite de 1940, on a aussi incriminé les chefs. Qu'en est-il du commandement militaire et de ses responsabilités dans cette affaire ? La responsabilité du haut commandement est énorme. Le haut commandement est symbolisé, représenté, personnalisé par le général Gamelin. Bon, le général Gamelin avait travaillé en même temps que le général Weygand, mais le général Weygand, homme de droite, supposé factieux, ce qui n'était pas, a beaucoup protesté sur la diminution des crédits militaires au début des années 30. On ne peut pas dire que ses relations avec Daladier étaient bonnes. Tandis que Daladier s'est bien entendu avec le général républicain qui était Gamelin. De plus, Gamelin était d'une souplesse d'échine. Voilà, c'est ça. Alors, était-il malade, n'était-il pas malade ? Moi, je crois qu'il l'était. J'ai lu quelque chose de Schiavon, enfin de l'historien Schiavon, disant qu'il ne l'était pas. Bon. Mais surtout, il ne tranchait jamais. Il analysait très finement, comme l'aurait fait. Certains disaient qu'il avait tout d'un évêque, d'autres d'un préfet. Il analysait tout, mais ne tranchait, ne décidait jamais. Et ce n'était pas l'homme dont nous avions évidemment besoin, qui aurait été indispensable. Mais il a été choisi par le régime, parce qu'il était tel qu'il était.
Il était d'ailleurs peu apprécié dans l'armée. Beaufre raconte, futur général Beaufre raconte que le jeune capitaine, il est arrivé à l'état-major des armées, désignation extrêmement. Hein. Il a été accueilli par le futur général Zeller, pas celui du Putsch, son frère, qui était commandant, lieutenant-colonel, qui lui a dit, il faut que vous sachiez, mon jeune camarade, que le commandant de notre armée, le général Lemain, est une nouille. Donc dit officiel. Bon, et c'est donc la responsabilité du haut commandement symbolisée par, représentée par Gamelin est énorme. Alors, ce n'est pas la stratégie défensive qu'il faut incriminer. Pourquoi ? Parce que, d'abord, cette stratégie, elle a été décidée par le comité suprême, pas par… les chefs militaires. Parce que l'armée anglaise n'était pas prête. 1939, deux divisions. On savait que les Allemands avaient besoin d'une guerre éclair, d'une guerre rapide, tandis que nous avions les deux empires derrière, il y avait les marines, donc on pensait que le blocus pourrait jouer. On allait rejouer la Première Guerre mondiale. Le fait qu'il y ait eu le traité germano-soviétique, le traité de non-agression germano-soviétique, a fait que tout ce qui manquait aux Allemands était livré par les Soviétiques. Bien sûr. Donc, ceci étant, les deux armées n'étant pas, et l'armée anglaise en particulier, prête, une stratégie de défense, stratégie attentiste qui permet de s'équiper était compréhensible. En tout cas, elle a été décidée par les politiques, Daladier et Chamberlain. Ce n'est pas Gamelin qui en est responsable. Ceci étant, il a adopté, il a suivi cette stratégie, et souvent cette stratégie, dans les articles que j'ai lus, ce n'est pas la stratégie défensive qui est mauvaise, c'est le fait que l'on ait mal organisé la défensive au plan tactique. On pourra y revenir, on y reviendra. La deuxième chose où Gamelin est là à la limite, et d'ailleurs il n'est pas le seul, du crime, c'est le 23 août. Donc, traité germano-soviétique, Georges Bonnet, ministre des Affaires étrangères, et Daladier convoquent les trois armées, hein, marine, air et terre, plus un certain nombre de personnages politiques, et leur demandent en substance, quelle est la situation de vos armées? Devons-nous secourir la Pologne? Sommes-nous prêts? Et le général Gamelin a répondu, l'armée française est prête à tenir ses engagements. Or, ce n'était pas vrai. Et d'ailleurs, Daladier le savait. Quant à l'aviation, c'est le ministre, secrétaire d'État, comment il s'appelait, celui qui avait succédé à Cotte, qui a répondu, l'état de l'aviation ne doit pas nous empêcher d'honorer nos engagements. Et le général Villemain n'a rien dit, il a écrit après, mais un peu tard. Le seul qui a dit la vérité, c'est Darlan, le chef de la marine, qui a dit oui, la marine est prête. Ce qui n'était pas complètement vrai, mais pas plus que les autres. Hein. Bon, la marine était remarquablement organisée et prête à entrer. D'ailleurs, elle l'a fait, parce que pendant que l'armée française se tournait les pouces, la marine a beaucoup travaillé avec les Anglais, avec qui elle s'entendait très, avec la marine anglaise avec qui elle travaillait. Elle escortait des convois, elle a beaucoup, beaucoup travaillé. Ce qui s'est passé le 23 août est très grave. Parce qu'il était du devoir des chefs militaires et des responsables des trois armées de dire non, nous ne sommes pas prêts. Ils ne l'ont pas fait. Daladier le savait, mais Georges Bonnet, qui comptait bien là-dessus pour dire il ne faut pas entrer en guerre, n'a pas pu le dire. Lorsqu'en 1911, il y a eu Agadir, c'est Caillaux qui était ministre président du Conseil, il a convoqué Joffre et il lui a dit, Napoléon a dit qu'il fallait avoir 70% de chances de gagner une guerre pour l'engager. Est-ce que nous avons 70% de chances de guerre? Et le général Joffre a grogné puisqu'il ne parlait. A grogné en disant, non, je ne peux pas vous garantir ça. Et Caillaux a dit, je négocierai. Et d'ailleurs, on s'en est bien sorti puisque, au fond, dans l'affaire d'Agadir, c'est plutôt la France qui s'en est bien sorti. Le troc Maroc-Congo. Ouais. Donc c'est extrêmement grave de ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est extrêmement grave le 23 août. Le haut commandement a aussi une très lourde responsabilité dans le fait que l'armée française
Ben, elle ne s'est pas entraînée entre septembre 1939, elle n'a pas été instruite, on n'a pas pendant les six mois fait travailler l'armée française. Il y a une passivité qui va être lourde de conséquences. Et ça, c'est une responsabilité militaire intégrale. Les Allemands, pendant ce temps-là, parce que l'armée allemande, il y avait eu des défaillances en 1939 en Pologne, l'armée allemande s'est mise au travail, a été aidée par le fait que, comme il faisait mauvais temps, l'Allemagne ne pouvait pas attaquer. Bon. Mais l'armée allemande était parfaitement entraînée comme une équipe sportive, alors que la France s'est réveillée, hébétée, les armées françaises s'est réveillée, hébétée le 10 mai, malgré les renseignements qui étaient arrivés. Alors, le général Gamelin avait un second, qui s'appelle le général Georges, à Georges, avec lequel, qui est un homme de valeur, mais diminué parce qu'il avait, lors d'un attentat en 1934, été grièvement blessé. L'attentat de Marseille, qui avait coûté la vie à Louis Barthou et au roi de Yougoslavie. Et le général Georges a été un homme très discipliné, il a obéi à Gamelin, il a fait des observations, mais on ne veut pas dire qu'il ait énormément pesé sur les choix. Il faut quand même voir aussi l'âge de tous ces gens-là. Hein. Gamelin, 67 ans à l'époque. 67 ans, j'ai presque l'impression, moi, à mon âge, que ce sont des genoux. Mais à l'époque, 67 ans, c'était des vieillards. Mais par exemple, Georges, c'est 65 ans. Billotte, qui commandait le groupe d'armée numéro 1, celui qui a été désengagé, 65 ans. Prête-là, sur la ligne Maginot, c'est 67 ans. Et ces gens-là ont été choisis pour leur accord avec la politique, comme Gamelin. Et ça a beaucoup joué, beaucoup joué. Et il n'y avait pas que, il y avait des hommes de valeur, Doumenc, qui lui avait prôné dès les années 20 la division blindée. Il y avait Giraud, qui était un homme, un combattant, un guerrier réellement. Il y avait aussi un général bien oublié qui s'appelait Hering, qui avait le même âge que Gamelin, qui lui était un, qui avait prôné la motorisation, prôné les divisions blindées. Il avait même été un inventeur de ce qu'on a appelé plus tard les combats de commande, c'est-à-dire une division en petite brigade interarmes à l'intérieur des divisions. Groupe allemand. Mais il montrait trop son mépris du régime politique et il a été écarté. Il a été écarté alors que cet homme avait une valeur considérable. Donc, le politique a beaucoup pesé sur les choix, sur ces choix-là. Et puis, il y a eu la Belgique. Mais la Belgique, fondamentalement, Gamelin, en 1939, en septembre, avait dit « Nous devons éviter une bataille de rencontre à l'intérieur de la Belgique. » Et pourtant, on aurait voulu entrer en Belgique parce que cela aurait raccourci le front, on aurait pu s'aligner sur l'armée belge et on aurait menacé la Ruhr. Ouais. Mais les Belges ne voulaient pas, parce qu'à la suite de 1936, ils avaient dit « nous serons neutres ». Oui, ils avaient proclamé leur neutralité en 1937, parce qu'ils avaient été échaudés par la remilitarisation sans problème de la Rhénanie l'année précédente. Or, en novembre 1939, lors d'une réunion du comité suprême, les Anglais ont fait pression pour que l'on rentre en Belgique, en accord avec Daladier, parce que, et Churchill, qui s'en est défendu après, il a beaucoup poussé, puisqu'il voulait que l'on attaque, que l'on attaque. Que l'on attaque, c'est-à-dire essentiellement que l'armée française attaque, comme chacun sait. Et ce que redoutait Chamberlain, c'est que l'installation de l'aviation allemande en Belgique permette des bombardements. Voilà, bien sûr. Donc c'était leur intérêt. Et Gamelin a eu l'insigne faiblesse de se soumettre, au lieu de s'opposer, de dire « nous ne pouvons pas faire ça », et surtout à quelles conditions? Parce que soit les Belges nous avertissaient suffisamment à l'avance, nous entrions et nous nous installions, soit ils le refusaient, ce qu'ils ont fait, et il fallait leur dire « dans ces conditions, on ne vous aidera pas, nous resterons sur nos positions ». Et on a choisi la pire des solutions, d'où la bataille de rencontre. Dans la foulée de l'offensive allemande. Et Gamelin porte la responsabilité de ne pas s'y être opposé, mais il n'était pas capable de s'opposer à la décision politique. Et puis, surtout, il y a eu une chose, c'est que nous avions la ligne Maginot. La ligne Maginot devait servir à économiser des forces humaines. Et, en fait, on a disséminé toutes les bonnes divisions, surtout de la mer du Nord jusqu'à la Suisse. Il faut faire le décompte de la petite centaine des 90 divisions de l'armée française.
Mais moi j'ai fait le décompte, il y avait 50 à 60 divisions de très bon niveau. Les divisions d'actives, les divisions A, c'est-à-dire de réserve A. Il y avait les divisions nord-africaines et coloniales qui se sont héroïquement battues. Il y avait les divisions légères mécaniques, le début des DCR. Il y avait de quoi colmater la brèche, puisque la ligne Maginot n'allait pas jusqu'à la mer du Nord. Or, on a non seulement disséminé tout ça, puisque Gamelin était hanté par une attaque des Allemands par la Suisse. Et surtout, on a mis sur la Meuse deux armées faibles, surtout la 9e armée de Corap, avec beaucoup de divisions de série B, sous-équipées, sous-encadrées, sous-armées, dans certains de ces régiments de division B, n'y avait d'actifs que le colonel. Et dans certains cas, c'est Paya qui le raconte, certains officiers de réserve insuffisamment instruits avaient peur de leurs hommes. Et c'est là, ces gens-là, ces troupes-là, qui ont reçu plein fouet, 7 à 8 divisions blindées, plus le cœur de l'armée allemande, le 10 mai. Certains s'y sont opposés, mais ils ne pouvaient pas résister, ils n'avaient pas les moyens. Ni aviation, ni DCA, ni suffisamment de canons anti-chars. L'erreur stratégique de Gamelin a été colossale. Et en plus, il n'y avait pas de réserve, puisque la 7e armée de Giraud avait été mise le long de Nord. Ah, il nous reste peu de temps, il faudrait dire un mot, je pense, des conditions de l'armistice. Est-ce que l'armistice était inévitable en 1940? C'est un débat qui reste encore ouvert. Qu'en est-il de ce sujet, de cette question ? Écoutez, le débat sur l'armistice dure depuis 80 ans au moins, et je pense qu'il continuera longtemps. Ouais. Donc, je peux dire qu'une opinion. La défaite était actée. Ouais. Traité Pétain, alors, elle était actée. Traité Pétain et Végan de défaitistes, alors que la défaite était actée, c'est une absurdité. Ils étaient lucides. Donc, la défaite était actée, il y avait le choix entre deux choses. Soit la capitulation purement et simplement, interdite d'ailleurs par le code pénal militaire. Et c'est ce qu'a refusé Végan. Mais surtout la capitulation, c'était quoi? C'était d'une part les Allemands qui bordaient la Méditerranée, deuxièmement c'était 2 millions de prisonniers de plus, c'était l'installation d'un Gauleiter en France. Le modèle polonais. Le modèle polonais, la fameuse polonisation. Mais surtout, c'était, si l'on choisissait la capitulation en France et que l'on voulait continuer la guerre en Afrique du Nord, sans les moyens qu'il y avait, puisqu'il n'y avait pas grand-chose en Afrique du Nord, eh bien c'était le risque que les Allemands soit passent par l'Espagne, soit utilisent la botte italienne, avec des promesses, la Corse, Nice, tout simplement utiliser la Libye, où il y avait des centaines de milliers d'Italiens. Donc, c'est une capitulation. Cette capitulation, c'est « je me rends, vous faites de moi ce que vous voulez ». C'est la fin. C'est ce que les Alliés ont exigé des Allemands en 43. Ou l'armistice, qui est une suspension d'armes. Et lorsque le général Hunsiger, qui était négociateur, est arrivé dans le wagon en rotonde, il a dit « il y a trois choses sur lesquelles je ne transigerai pas ». On l'entend, puisqu'on a l'enregistrement. Il le dit fermement, il ne le susurre pas. Il a dit « un, on veut un territoire ». Deux, la flotte ne sera pas livrée. Et trois, vous ne touchez pas, il n'a pas dit ça comme ça, mais vous ne touchez pas à l'Empire. Et les Allemands ont accepté. Alors, il y a des nuances, mais les Allemands ont accepté. Ils n'ont même rien dit lorsque 800 avions ont quitté la France pour rejoindre l'Afrique du Nord. Et cela a permis une souveraineté croupion, certes, cela a, dans la zone d'Hitler, ce qui a permis de faire bien des choses. La résistance, elle est née à part l'OCM, elle est née en... Bon. Et puis surtout, cela a permis... Giraud, écrivain historique, dit, au fond, la querelle de l'armistice, au fond, elle va durer. Mais ce qui comptait, c'est ce qu'on allait faire de l'armistice. Il y avait les collaborateurs et Laval qui voulaient se rallier à l'Allemagne. Je fais court. Il y avait Pétain qui voulait une politique d'attentisme et de neutralité.
neutralité qui ne pouvait pas durer éternellement. Et il y avait ceux qui rêvaient que de la revanche. Et la revanche, c'était les services secrets français, hein, avec Payol, le chef des services secrets. Il y avait l'armée d'armistice qui a caché des armes, qui s'est organisée. Et puis surtout, il y a eu l'armée d'Afrique avec Végan. Et c'est cette armée d'Afrique qui a été le berceau de la nouvelle armée française. Le fer de lance de la nouvelle armée française. À partir de 1942. Il nous reste très peu de temps à ce sujet-là. Je pense que vous vouliez rappeler ce qu'avait été le colloque organisé par la Société française d'histoire militaire en 2011 à propos de l'armistice. Parce que je crois que vous Il y a eu un colloque organisé auquel vous avez assisté. Il y a un livre chez Economie Mika, dont le directeur de publication est le contrôleur général Rick Alens. Au fond, la question était posée, fallait-il faire l'armistice? Et question subsidiaire, est-ce que l'on pouvait, poursuivre la lutte en Afrique du Nord? Bon, alors il y a eu plusieurs intervenants. Il y en a eu 12. Sur les 12, 6 plus 1 se sont ralliés à l'idée qu'il fallait faire l'armistice et qu'il n'était pas possible De continuer la lutte. Et certains, c'était quand même T-40. Skiavon, qui était très lié à l'histoire militaire du ministère. Il y avait Gojac, qui a écrit d'excellents livres. Il avait dirigé le service historique à Vincennes. Il y a eu le colonel Michelet, pour le livre duquel j'ai beaucoup d'estime. Il y a Bernard Legout, que je tiens à citer, car Bernard Legout était un officier de marine qui a écrit des livres sur l'armistice indispensable, extrêmement argumenté, de très haute volée, de très haute tenue. Alors, il est évidemment critiqué parce qu'il est plutôt de nature pétainiste. Mais l'armistice, c'est pas le pétainisme, c'est une décision et inversement. Et il y avait un personnage, M. Bell, qui lui disait l'Afrique du Nord pouvait se défendre. Donc, mais le capitaine de vaisseau Huan montrait que les capacités de transport vers l'Afrique du Nord n'étaient pas au rendez-vous. Non, elle n'était pas au rendez-vous. Reynaud avait demandé à Darland les possibilités dans les 15 jours de transférer 500 000 personnes. Mais attendez, les bateaux, ils sont sur toutes les mers du globe, je peux pas. Or, la conclusion finale dans la publication, il reste une minute. Non. Sept historiens, et également de M. Devailly, se sont prononcés pour l'armistice. Un seul, peut-être un deuxième, s'est prononcé contre. Pour faire du poids, il y avait 12 intervenants. On a dans le livre qui a été produit par Economica, on a rajouté 3 personnes qui n'avaient pas participé au colloque. Donc, une majorité écrasante en faveur de l'armistice. Eh bien, la conclusion, rédigée par M. de Ricalens et par un préfet, M. Poyer, a été plutôt de dire qu'il fallait faire l'armistice. Le projet politique de poursuite ou de cessation de combat mettait donc en cause, outre le sort des armes, des valeurs fondamentales de la culture française, les droits de l'homme et la démocratie, opposés à une philosophie politique bien fruste qui écrasait l'individu au nom de la mission salvatrice d'une race. Il y avait 10 millions de personnes sur les routes, en exode. Il y avait déjà un million et demi de prisonniers, et la France était écrasée, était menacée de disparaître. Et on en a ça comme conclusion. Ouais. C'est assez lamentable. C'est assez lamentable. Merci beaucoup de votre intervention. Je rappelle en cette fin d'émission le livre de Rémy Porte, 1940, Vérités et légendes, paru chez Perrin, dans lequel vous retrouverez de nombreuses réflexions qui feront écho à ce que nous a exposé notre ami André Posokhov.